Une petite révolution s'est opérée chez BMW. Pour 2015, la R1200R, née en 2006, s'offre un nouveau look, un nouveau moteur et perd son télélever au profit d'une fourche inversée. Le design de la nouvelle R1200R est plus dynamique. Le phare est plus agressif et les éléments de carénage plus anguleux, comme pour souligner la sportivité de cette nouvelle mouture. En effet, le gros roadster est désormais équipé du bicylindre boxer liquide, celui qui équipe déjà les GS depuis 2013 et RT depuis 2014. C'est d'ailleurs l'adoption de ce flat à refroidissement mixte air liquide et plus particulièrement l'intégration du radiateur d'eau qui est à l'origine de la disparition du système télélever. C'est donc une fourche inversée fournie par Saxe et très inspirée de celle de la S1000RR qui prend place sur la nouvelle R1200R. Esthétiquement, il n'y a pas de doute, c'est sportif. On notera aussi la présence d'un amortisseur de direction pour éviter tout guidonnage et d'étrier 4 pistons montés en radial à l'avant pour mordre les disques de 320 mm. À l'arrière, c'est plus classique. Monobras oscillant paralever Evo, transmission par cardan et monoamortisseur Marzocchi restent de mise. Quant au freinage, il est confié à un étrier double piston et un disque de 276 mm de diamètre. Dans la version de base, la fourche n'est pas réglable et l'amortisseur bénéficie d'une molette de réglage de la précontrainte. Évidemment, notre modèle d'essai profite aussi de la suspension pilotée, l'évolution de l'ESA. Alors ça marche toujours aussi bien, c'est un peu différent par rapport à ce qui se passait avant. Il y a moins de modes, il y a un mode road et puis un mode dynamique. Vous vous en doutez, dynamique, ça durcit un petit peu l'ensemble et ça permet de s'adapter à des conditions de roulage un petit peu plus viriles, un petit peu plus fermes, on va dire. Et puis vous avez le mode road donc pour un usage quotidien. On peut aussi évidemment choisir si on roule en solo, en duo, avec des bagages ou pas. Bon, ça marche toujours aussi bien, c'est toujours aussi pratique et franchement, une fois qu'on y a goûté, c'est quand même très très difficile de s'en passer, quoi. La R1200R peut aussi bénéficier du système Keyless Ride. On peut garder sa clé, équipée d'un transpondeur dans sa poche. Un bouton remplace le contacteur et sert aussi à bloquer la direction. Le bouchon d'essence s'ouvre lui aussi sans clé, moteur éteint et contact coupé. Au guidon, fini les commodos de clignotants séparés au profit d'un seul élément traditionnel à gauche. Le nouveau tableau de bord associe un compteur de vitesse analogique et un large écran numérique à trois styles différents recelant plus ou moins d'informations en fonction des usages. À l'avant comme à l'arrière, l'éclairage fait appel au LED, y compris pour les clignotants ou pour les feux de jour, bien visibles et reconnaissables avec leur forme de H. La hauteur standard de l'assise pointe à 790 mm, c'est 10 mm de moins qu'auparavant. Alors moi c'est le genre de position de conduite que j'adore, on a un guidon un petit peu large mais pas trop, en tout cas il est moins large que sur la version précédente. En réalité on a une position de conduite qui est un petit peu plus sur l'avant aussi que précédemment. On a aussi une largeur à l'entrejambe qui n'est pas excessive, ce qui fait que même les plus petits pourront largement et tranquillement poser les pieds de chaque côté de la moto, au feu rouge notamment, c'est sympa. Le nouveau 1200 liquide est intégré dans le nouveau cadre comme un élément porteur. En zone libre, il délivre 125 chevaux à 7500 tours minute. En France, il faudra se satisfaire de 107 chevaux, mais cela suffit largement pour se faire plaisir entre 4000 et 7000 tours minute. D'autant qu'elle distille un couple homogène sur cette plage de régime avec une pointe à 125 Nm à 6500 tours minute. Alors ce moteur a quand même un souffle démoniaque, hein. Ça accélère mais super fort, c'est un vrai régal et ça donne pas cette sensation parce que le flat, bon le régime monte pas forcément énormément donc on n'a jamais l'impression que le moteur s'emballe mais qu'est-ce que ça pousse. En fait il y a un couple assez impressionnant parce que ils ont travaillé pas mal sur l'admission d'air et puis sur le nouveau silencieux, ce qui fait que c'est plus encore de couple que sur la GS ou la RT. Franchement ça c'est vrai que ça donne de grosses sensations, on a vraiment l'impression de s'arracher du sol quoi. Ah puis nous là sur notre modèle d'essai on a le Shifter Pro, c'est un système qui permet de monter et de descendre les vitesses sans avoir à toucher au levier d'embrayage. Alors c'est un petit peu surprenant, faut le faire vraiment au bon régime, il y a une plage quand même relativement large mais par contre il y a un vrai régal, c'est que quand vous redescendez les vitesses il y a une petite relance à l'accélération, on a vraiment l'impression d'être un pilote qui fait un double débrayage quoi. On a un freinage absolument hallucinant, vraiment ça freine très très
très fort. Bon, l'ABS se déclenche un petit peu facilement, je trouve, à l'arrière, mais alors à l'avant, vraiment, on peut vraiment faire confiance à ce freinage. C'est un vrai régal, quoi. L'empattement est un peu plus long que précédemment, mais grâce à un centre de gravité abaissé et une répartition des masses 50-50, l'agilité est préservée. C'est un bon compromis entre la routière et le roadster mid-size. Elle reste facile en ville, mais elle s'avère très stable sur autoroute notamment. On peut envisager de rouler assez longtemps sans problème. Même si l'on pourra peut-être préférer sa cousine germaine, la R1200 RS. Une R à qui BMW a greffé un carénage pratiquement digne d'une sportive. Avec une bulle réglable à la main et sans outils sur 4 positions pour plus de confort lorsque l'on souhaite allonger les trajets. La R1200 RS dispose aussi d'un guidon plus sportif qui oblige à se pencher un peu plus en avant sans pour autant perdre en confort, moyennant à peine plus de 600 euros. En effet, les tarifs du Roadster débutent à 13 400 euros et ceux de la Sport Touring à 14 105 euros hors option, qui sont malheureusement très nombreuses.